et bienvenue, guerrier. Aujourd'hui, nous allons regarder toutes mes espèces. Là, c'est mes Camponotus Sanctus. Comme tu peux voir, je dois nettoyer la DC, mais c'est aujourd'hui que ça se fera. C'est dimanche. Ici, nous avons les Camponotus Fetchenkoi. Ici, nous avons les Bellus. Comme tu peux voir, ça se développe toujours aussi bien. Là, nous avons Polyrachis Daemeli dans son cube au noir tranquille. Là, nous avons les Camponotus Humilior avec son couvain monstrueux. Je vais bientôt devoir les déménager. Ici, nous avons les Camponotus Barbaricus dans leur ancien nid Elytra. J'aimerais bien qu'elle déménage dans l'amphithéâtre, mais c'est pas gagné. Vous pouvez voir, elles ont investi ça comme un cimetière plus qu'un nid. Nous allons passer au setup des Ocophila Smaragdina d'Asie. Voilà, comme ça vous allez pouvoir le setup en complet. En dessous, nous avons plusieurs fondations. Je ne vais pas toutes les citer. Hop. Là, nous avons les Sexbutatus qui ne veulent pas déménager non plus. Les Camponotus Parius. Là, c'est le petit Terra des Polyrachis Armata. J'essaie de vous montrer au-dessus dans le coin à droite le nid, mais c'est pas évident avec le reflet. Quelques petites fondations que j'ai capturées in natura. Là, nous avons le terrarium des Camponotus Singularis. Je vais ouvrir la porte pour que vous voyez le trou d'entrée. On peut même ouvrir une ouverture gigote. Désolé. Si la mise au point ne se fait pas toujours, c'est pas évident. Là, nous avons les Cintellus. Vous pouvez voir, elles vont très bien. Je n'ai pas besoin d'essayer. Là, nous avons les Forelli, une petite cuvante center. À côté, nous avons les Camponotus Holosiriceus. Juste pour très bien aussi. Là, nous avons les Nicobarensis que vous avez vu il n'y a pas longtemps en vidéo. Elles vont très bien aussi. Là, nous avons les Camponotus Baldacci. À côté, quelques petites fondations. Du concours aussi. Et nous avons les Camponotus Turkestanus. J'essaie de vous faire des petites images de l'intérieur, mais c'est pas évident. Ici, nous avons les Camponotus Lady G, qui se portent à merveille. Une évolution vraiment forte. Là, c'est le petit terrarium creusable des Camponotus Vestitus. Et d'ailleurs, ils vont bientôt une vidéo à leur sujet. Là, nous avons les Sansabianus du concours des 1000. Les Camponotus Japonicus à tour major impressionnant. Là, nous avons les Pseudo-Epitans qui vont bientôt devoir déménager aussi. Les Mutilarius. Et là, c'est la Cryptoglyphis Iberica du concours que je dois tenir jusqu'au mois d'août que la personne revienne de vacances. Nous allons passer à côté. Où nous avons les Camponotus US-102. Ils se sont super bien développés. Là, nous avons une Crematogaster sordidula. Vraiment une belle petite colonie maintenant, avec un couvain énorme. Donc, on pourra avoir quelques-unes dans la DC. Là, nous avons les Crematogaster, on ne sait pas d'où. Ici, vous avez les Camponotus atriceps, leur couvain monstrueux. J'essaie de les déménager, mais c'est pas gagné non plus. Là, nous avons les Camponotus Liniperda. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde aussi, là, ça a bien évolué. Les Scutellaris, là, j'en parle même pas, c'est une explosion totale. Je devrais les déménager, elles creusent les joints en silicone d'une, etc. Elles me les font toutes. Vous pouvez voir du monde. Là, c'est la Camponotus Vagus qui va doucement, mais sûrement. Là, vous avez les Fulvopilosus, mais on en parlera plus tard, je ne vais pas m'attarder dessus, donc. Hop, nous allons changer d'endroit. Là, vous avez les Castaneus que j'essaye de déménager aussi. Ici, vous avez les Camponotus Mican. Elles sont très belles. Une très belle colonie. Là, vous avez mes Cruantatus dans leur nid. Et les ouvrières dehors. Hop, et là, vous avez les Camponotus vendus Oriventris, mais ce n'est pas une Oriventris, c'est bien trop petit. Là, vous avez un terrarium aphasme multi-espèce. Tout se passe bien, il ne s'attaque pas rien.
Au-dessus, vous avez des isopodes, du maculatum zébra, qui vont très bien aussi. Et là, vous avez les fourmis cafuscales, un petit terrain naturel que j'aurais fait. Voilà, je vous dis à bientôt les amis.